Dear friends, welcome to the online commemoration of the International Day for the Eradication of Poverty, co-organized by ADT Fourth World, UNDESA, the Permanent Missions of France and Burkina Faso to the United Nations, the International Committee for October 17, and the UN NGO Committee for Social Development. My name is Magdalena Sepúlveda. I'm the Executive Director of the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights, and former United Nations Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. And my name is Kwane Hargrove, a proud New Yorker, educator, and aspiring writer. Together with Magdalena, it is our pleasure to welcome you all to this commemoration that is particularly exciting as we are online and being listened to from around the world. As you will see, today is a unique day, a day where individuals, families, and communities living in poverty come forth and speak up so that their voices are heard loud and clear. The president of the International Committee for October 17th will now introduce us briefly to the spirit of this International Day. As the new president of the International Committee for October 17th, I would like to thank you all for joining this commemoration. On this day, we gather at the commemorative stone, like this one here at the Council of Europe in Strasbourg, to bear witness to the poorest in our society. Replicas of this symbol of humanity exist in many cities and villages across the world. And today, many of you will be gathered around them to show solidarity with those leading the most difficult lives and who resist with dignity. 2020 has been a particularly challenging year, and the COVID-19 pandemic has shown once again that whenever there is a crisis, the poorest are the hardest hit. It has put a spotlight on the deepening social and environmental inequalities. To keep safe, we've been given instructions: wash hands, keep distance, stay home. If you're living in extreme poverty, in areas closest to the worst sources of pollution and environmental damage, even these small safety measures become a big challenge. How can you wash your hands when you have no access to clean water? How can you keep distance when you share a tiny space in an overcrowded settlement? How can you stay home when your very survival depends on the work you do for the day? In a world of plenty, why are there so many people still living in conditions of misery? Faces unseen, voices unheard, forgotten, left behind. October 17th is a chance to speak out and reaffirm that whenever women and men are condemned to live in extreme poverty, human rights are violated. We are members of the International Committee for October 17th. We come from different countries, different cultural, social, professional backgrounds, and we are united to promote this International Day in its true spirit. We honor the people in the front line of the struggle against poverty and environmental challenges. Your experiences count. Your lives matter. We pledge our solidarity and our commitment to act together and achieve social and environmental justice for everyone. Thank you. As the president of the International Committee for October 17 has explained, the theme this year is a very urgent and relevant one: acting together to achieve social and environmental justice for all. Whether with the current pandemic or with climate crisis, there is no doubt these global disruptions constitute global threats for the enjoyment of human rights, especially economic, social, and cultural rights. October 17 at the UN is a celebration of the right of people living in poverty to be heard, a fundamental right that is key to the realization of all other human rights and to the empowerment of even the most vulnerable people.
Today, we will listen to testimonies and messages from individuals and communities facing both the injustice of poverty as well as environmental injustices, such as being relegated to live in polluted neighborhoods, in areas prone to natural disasters, or areas without access to clean water and sanitation or healthy nutrition and healthcare. These reinforce each other, preventing people from accessing their rights. We will see that their solidarity, courage, and hope are the sources of the strength that keeps them afloat. If you want to join the digital conversation, please use the hashtags, #InPoverty, #StopPoverty, and #EcoSocialJustice. To open the commemoration, we will now hear from His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. The COVID-19 pandemic is a double crisis for the world's poorest people. First, they have the highest risk of exposure to the virus and least access to quality health care. Second, recent estimates show the pandemic could push up to 115 million people into poverty this year, the first increase in decades. Women are at greatest risk because they are more likely to lose their jobs and less likely to have social protection. In these extraordinary times, we need extraordinary efforts to fight poverty. The pandemic demands strong collective action. Governments must accelerate economic transformation by investing in a green, sustainable recovery. We need a new generation of social protection programs that also cover people working in the informal economy. Joining together in common cause is the only way we will emerge safely from this pandemic. On the International Day for the Eradication of Poverty, let's stand in solidarity with people living in poverty throughout the COVID-19 pandemic and beyond. Thank you to His Excellency, Mr. Antonio Guterres, for his inspiring words and for the strong support he has shown to our commemoration. Now, let's turn to the communities who sent in their video messages from around the world, listening to what they have to say as they face poverty, environmental degradation, injustices, and added struggles related to the COVID-19 pandemic. It's crucial to overcome the challenges of our time. We will also hear statements by the ambassadors of France and Burkina Faso to the United Nations, whom we would like to thank for their continued support to the commemoration of International Day for the Eradication of Poverty. Hoy quisiéramos hablar de justicia. Pero lo que experimentamos es la injusticia en sus diferentes formas. La injusticia de un planeta maltratado. En nombre de un desarrollo económico que no está a favor de la vida. La injusticia en no tener los recursos necesarios para sostenernos. De vivir bajo la contaminación o en lugares peligrosos para la vida humana. Ser privado del acceso a la tierra y a los alimentos. De consumir productos ultraprocesados y poco nutritivos. Que envenenan nuestro cuerpo y el planeta. De no poder crear nuestros hogares. La injusticia de tener que aceptar las peores condiciones de trabajo. De no ser tratados como seres humanos. De no poder ver crecer a nuestros hijos. La injusticia de no tener acceso a los sistemas de educación, salud y de no alcanzar oportunidades de estar relegados. Y sobre todo, la injusticia de no poder participar en las decisiones que afectan a nuestra vida y la del planeta. De que nuestros saberes y nuestras acciones no sean reconocidos. De no ser tomados en cuenta.
Nuestra experiencia nos enseña que la injusticia es integral. No hay un límite entre lo social y el medioambiental. La injusticia es una sola. Sufre el planeta y sufren los seres humanos. No podemos hablar de justicia, pero sí podemos hablar de vida. La vida en su sentido más profundo. La vida que sigue palpitando a pesar de las condiciones de injusticia. Nuestros ancestros nos enseñan que la vida es una sola. Todo está conectado. Los seres humanos, los otros animales. Las plantas y los árboles. El agua, el aire, las montañas. En todo esto puede verse la vida en abundancia. Somos hijas y hijos de la Pachamama. Nuestra madre tierra, nuestra casa y destino común. Todos queremos la vida en plenitud. Y la buscamos con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿qué hemos puesto en el centro de nuestras sociedades? Algunos dicen que el crecimiento económico y la modernidad van a producir bienestar para todos. Quieren hacernos creer que la Pachamama no puede sostener a sus hijos. Que son las industrias y los bancos los que nos van a salvar. Pero el crecimiento económico beneficia solo a unos pocos. Y la modernidad no trae vidas mejores para muchos de nosotros ni para el planeta. Allí mismo donde se toman las tierras para explotarlas a través de las minas o centros petroleros, las personas continúan sufriendo a causa de la desnutrición y el agotamiento. En este sistema, la economía no es un medio a favor de la vida, sino un fin en sí mismo. Los recursos naturales y territorios sagrados, nuestras vidas y la de los animales, son solo material de consumo para la producción a favor de unos pocos. Parece que todo sacrificio vale la pena para salvar la economía. Lo que no sirve, lo botamos. Los pobres han sido olvidados. Los ancianos han sido olvidados. Los campesinos han sido olvidados. Los pueblos indígenas han sido olvidados. Los saberes comunitarios y ancestrales han sido olvidados. Los animales han sido olvidados. Nuestra madre tierra ha sido olvidada. La vida misma ha sido olvidada. La vida en su esencia. Quienes son víctimas de la injusticia en sus diferentes formas luchan no solo para sobrevivir, sino creando caminos de vida. Cuando salimos a trabajar en condiciones muy difíciles, no lo hacemos porque podremos acumular o desarrollar la economía, sino porque elegimos buscar vida. Cuando hacemos una olla común para resistir el hambre en los barrios periféricos, cada uno aportamos algo para poder favorecer la vida que compartimos entre todos. Cuando ofrecemos la leche o verduras de nuestro cultivo a un vecino, lo hacemos porque sabemos que vivimos bien cuando compartimos. Cuando preparamos nuestra ofrenda a la Madre Tierra, estamos cuidándola como ella nos cuida. Agradeciendo y contribuyendo a la abundancia de la vida. Cuando enseñamos a nuestros hijos a cuidar y a compartir, estamos abriendo caminos de vida también para las generaciones futuras. Salimos adelante compartiendo. Pero vemos que a menudo da el que menos tiene. De no todos saben dar, debemos aprender a compartir. Compartiendo ponemos la vida en el centro, no la vida de unos o de otros, sino la vida en común. Queremos que nuestra experiencia y conocimiento sean reconocidos. Entrar en un nuevo diálogo con quienes toman las decisiones y hacen las políticas. Decirles que se atrevan a escuchar. Conocer y ver la realidad que vivimos. Aprendan con nosotros, volvamos a poner la vida en el centro de todo. Compartiendo, construyamos juntos los caminos del verdadero buen vivir. Okay, so my drawing is a woman saving the flowers and the blueberries to help the homeless. And also why I say do not cut down the trees, because we need oxygen and we need to breathe. And also I say help the homeless, like with food and money, and yeah, just help people
so you could save the planet. And I say stop throwing trash, because the more you throw trash and the more you cut down trees, our earth gets dirtier and dirtier. And when you cut down trees, you don't get no oxygen. So that's why I say save the earth, guys. Watering the plants, because every day we eat, they have to eat, because it's important to feed plants. Cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté revêt une importance particulière, car 2020 marque le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. À l'ONU, la lutte pour l'éradication de la pauvreté est le moteur de nos luttes communes pour la paix, le développement, les droits de l'homme et la dignité. Comme vous le savez, le président Macron en fait également la priorité de tous ses combats. Cette année encore, bien que virtuellement, nous sommes réunis pour entendre la voix et le message des personnes qui souffrent de la pauvreté. Ces témoignages, venus d'Afrique, d'Amérique latine et d'ailleurs, sont source d'admiration et d'inspiration pour nous tous, car ils démontrent la force, le courage et la détermination de ceux qui font face aux pires difficultés. Mais ces témoignages nous rappellent également que les plus défavorisés sont aussi les plus vulnérables à ce que le secrétaire général des Nations Unies appelle la menace existentielle de notre temps. L'accélération du changement climatique, la dégradation de l'environnement et la consommation excessive des ressources naturelles, pourtant limitées, assombrissent les perspectives de développement humain. Face aux témoignages d'aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que de nous engager résolument dans la transition vers des modèles de croissance, de production et de consommation durables, donc plus justes, plus stables et plus résilients, pour garantir une vie digne et les mêmes opportunités pour tous en 2030, date fixée pour mettre en œuvre les objectifs du développement durable. C'est ainsi que nous pourrons réduire les inégalités et garantir une véritable justice sociale et environnementale pour tous comme réponse à l'extrême pauvreté. La France est résolument engagée aux côtés d'ATD Quart Monde, des Nations Unies et de ses partenaires pour gagner ce combat. Ce soir-là, et pendant plus de 10 jours, les familles touchées par la catastrophe étaient dans la plus grande détresse, sans aucun secours, route impraticable, pont effondré, frontières fermées pour cause de COVID-19. Il fallait compter sur nos seules forces, malgré le choc, la fatigue et la famine. Ensemble, nous avons tenu bon. Le jeûne, le vent, la vie reste très difficile. Dans une saison encore pluvieuse et chaude, nous avons dû faire la face au choléra, au palis, plus présent et encore aujourd'hui. Nous, membres d'ATD Quart Monde, engagés ici avec les enfants et leurs familles depuis plusieurs années, nous avons voulu rester solidaires au-delà de l'urgence des premiers jours. Inspirés par l'esprit des chantiers solidaires qu'on appelle Moulari, nous avons proposé à une dizaine de familles parmi les plus fragiles de les aider à retrouver la sécurité des toits. Pour cela, nous avons dialogué avec les autorités locales et mobilisé 6 autres associations partenaires. Pendant des jours, nous avons aidé une centaine de personnes, enfants, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, à mettre toute notre énergie à la production de briques. Certains portaient de l'eau, d'autres cassaient la terre,
les uns malaxaient la boue, les autres remplissaient les moules. Plus de 6000 briques ont été ainsi fabriquées. C'est un vrai partage de savoir pour les réaliser au mieux. Tukakimbia hadi paka kwenye shule ya kwenda. Tukaona wanaanza kutuambia tutoke juu ya masomo wa kutia matope. Mimi kwa uzee wangu nilikuwa naisha shindwa kabisa. Lakini kuona Mungu ni wa ajabu, amewasukuma waje wanisaidie. Hata hivyo nimeshukuru, wazidi kuwa na roho kama hiyo. Sijua mwenye aliwatuma ni nani, mwenye aliwapa hiyo wazo wa kutusaidia sisi wasiojiweza kama vile wazee. Membre wa famille solidaire ATD Carmonde Buriba. Sisi tulitoka Bukavu kukuya himiza wa ndugu zetu waliopata ajali ya maji ya hapa Uvira kwa kuwabomolea manyumba. Tuko tunafanya mabrike, tuko tunapakala nyumba matope. Na njoo hivi tuko tunawasaidia wa ndugu zetu waliopata na maajali ya hapa Uvira. Na maji yenyewe hii niko na shota mo maji kwa kwenda fanya mabrike na kupakala nyumba matope. Aksanti. On est conscient, on sait vraiment que la solidarité humanise, et cette solidarité que nous manifestons envers les amis d'Uvira, c'est pour nous immuniser contre l'incertitude, contre le désespoir. Et c'est notre engagement qui nous a poussé de venir ici, parce que nous avons laissé beaucoup de travail, mais on ne peut pas vivre erré et d'autres personnes sont en train de souffrir, et d'autres personnes sont en train de vivre à l'extérieur et dormir à l'extérieur. C'est depuis 2015 que Ferapa d'ASPL commémore la journée internationale des réfugiés de misère le 17 octobre. Mais cette fois-ci, cette année 2020, nous avons jugé bon de célébrer cette journée avec les amis de ATD Carmonde, et spécialement dans les camps chantiers de solidarité avec les inondés d'Ouvira, c'est-à-dire les sinistrés. Ces gens, ils étaient de tout âge. Certains victimes elles-mêmes de la catastrophe, d'autres venant depuis des 100 km. Sans se connaître à l'avance, ils se sont unis pour marquer leur solidarité envers les habitants de Vira, conscients et confiants qu'agir ensemble provoque les changements. Ensemble, des milliers différents, mais tous engagés auprès des familles fragilisées par la grande pauvreté, nous agissons de concert convaincus que de se mettre ensemble, main et tête ensemble, apporte une richesse au monde. Une vision des personnes vivant dans la grande pauvreté. Nous découvrons leur courage, l'expérience des enfants, jeunes et adultes, leur intelligence. Tout cela est une source d'innovation par son potentiel d'action pour la transformation de nos sociétés et gagner une justice sociale et environnementale pour tous. Agir ensemble est moteur de changement. Signer pour l'égal dignité et source de paix. Merci, on est ensemble. Excellencies, ladies and gentlemen, fighting endemic poverty is at the heart of the 2030 agenda, and given its cross-cutting nature, no country can truly lay claim to achieving sustainable development in its three dimensions as long as poverty persists. I recall that in 2015, all UN member states made commitment inter alia to end poverty and hunger everywhere, to combat inequalities within and among countries, to build peaceful, just, and inclusive societies, to achieve social and environmental justice, and to promote gender equality and the empowerment of women and girls by 2030. These aspirations can only be achieved if poverty, especially extreme poverty, is eradicated in all its forms and dimensions. Conscious that extreme poverty is and has remained the backdrop of all deplorable social conditions
and actions in all societies, the 74th President of the United Nations General Assembly demonstrated commitment to leave no one behind by launching an Alliance for Poverty Eradication, currently made up of 41 member states and 3 UN agencies, coming at a time when the global impact of the COVID-19 pandemic in sustainable development will reverse gains already made in the achievement of the 2030 agenda, as well as push additional 500 million people into extreme poverty. Members of the Alliance will continue to pay keener attention to and mobilize support for all sectors with potential to redistribute wealth and lift people out of extreme poverty. As we commemorate the 2020 International Day for Poverty Eradication, members of the Alliance for Poverty Eradication call on stakeholders at all levels to explore the potentials of MSMEs, ICT, agriculture, tourism, quality and technical education, access to energy, among others, to create jobs and empower the largest number of people, particularly youths, women, and girls in all societies. Let me conclude by reassuring you that the Alliance will sustain the advocacy for the achievement of the goals and targets of SDG 1 for all countries, peoples, and segments of society. I thank you. Descartes Monde a été invité à participer de nouveau au cycle de concertation organisé par le service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale en Belgique. Nous avons suggéré le thème de la durabilité en lien avec la pauvreté, ça a été accepté. Et donc nous avons pu approfondir ce thème durant un an et demi avec un groupe de travail d'une vingtaine de personnes. Le logement, c'est un point de départ des résolutions de problèmes. C'est très important à retenir. C'est indispensable pour le physique, mais aussi et surtout pour le mental. C'est fondamental pour un accès à ses droits. Et ça, on ne doit pas y toucher. Tout le monde participe, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la grande pauvreté, les personnes engagées qu'on appelle les volontaires. Et également, il faut aussi rencontrer les professionnels, les universitaires, tout. Donc on aborde le thème de la durabilité et pauvreté à travers différentes thématiques, dont le logement, l'alimentation, l'énergie, le travail et l'économie, ainsi que l'accès aux soins de santé et à la nature. Et c'est important de discuter de ces thématiques-là parce qu'elles sont toutes liées à des objectifs du développement durable. On se rend compte que les différents thèmes sont malgré tout liés entre eux. Mais pour approfondir, pour avoir des projets pratiques suffisamment défendables, vaut mieux travailler en petits groupes pour rassembler les arguments irréfutables. Ce qu'il faut toujours tenir à l'œil, c'est la participation des militants. Et quand moi je dis participation, je ne parle pas pour un débat, du début jusqu'à la fin. Ce qui veut dire pas entendre au début, et au milieu du truc, bon, on vous a entendu, on va décider. Laissez ceux qui ont parlé aussi décider avec. Parce que c'est eux qui savent, en tout cas, ce qui est le meilleur pour eux. Les experts ont besoin de reconnaître l'expertise des gens en pauvreté, parce qu'il faut inventer des nouveaux moyens de lutte. Les plus pauvres savent ce que c'est la durabilité et peuvent trouver des idées et des moyens pour répondre à la durabilité à travers le logement, à travers l'environnement. Le dialogue avec des personnes en situation de pauvreté sur toutes ces questions d'un développement durable est vraiment central pour arriver vraiment à des solutions durables. Aujourd'hui, journée internationale de lutte contre la pauvreté, notre souhait est que ce message soit entendu en Belgique et au-delà de ses frontières. Nous demandons des politiques structurelles et durables qui agissent sur les causes de la pauvreté et des inégalités. Les gens qui vivent la précarité sont très inventifs, figure-toi.
Ils sont des fois plus malins qu'un ingénieur pour trouver une solution à un problème. Mesdames et messieurs, chers participants, nous commémorons aujourd'hui le 33e anniversaire de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et célébrons cette année le 75e anniversaire des Nations Unies dans un monde où la faim, la pauvreté, la maladie, le terrorisme et bien d'autres maux sont toujours d'actualité. Et cette année 2020 restera gravée dans nos mémoires avec la crise sanitaire mondiale de la maladie à coronavirus dont les conséquences socio-économiques sont immenses. Elles le sont encore plus dans de nombreux pays déjà fragilisés, parmi lesquels certains subissent de plein fouet les effets des changements climatiques avec les inondations et les catastrophes naturelles. Le choix donc du thème de cette année, agir ensemble pour gagner la justice sociale et environnementale pour tous, vient à point nommé. Comme l'a si bien rappelé le secrétaire général des Nations Unies le 30 septembre dernier à l'occasion du sommet des Nations Unies sur la biodiversité, je le cite, « La dégradation de la nature n'est pas uniquement une question environnementale, elle englobe aussi l'économie, la santé, la justice sociale et les droits de l'homme. » Fin de citation. En effet, les problèmes environnementaux impactent plus les personnes les plus vulnérables que sont les jeunes, les femmes, les enfants et les personnes âgées, comme l'attestent les nombreux témoignages très émouvants de ceux qui sont touchés, tant directement qu'indirectement, par les catastrophes liées au changement climatique. C'est le lieu pour moi de saluer le courage et l'endurance des personnes affectées et de magnifier aussi la solidarité agissant des membres de leur communauté qui, en pareilles circonstances, sont les premiers à apporter secours, réconfort, vivre et gîte. Le Burkina Faso, qui subit régulièrement les effets dévastateurs des changements climatiques, a adopté un plan national multirisque de préparation et de réponse aux catastrophes qui permet de coordonner l'action commune du gouvernement et de ses partenaires. À la suite des inondations que le pays a connues en septembre dernier et qui ont fait de nombreuses pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe nationale et débloqué 7,5 millions d'euros pour faire face aux urgences. Les défis des changements climatiques sont tels qu'aucun pays ne peut les relever seul. C'est ensemble et collectivement que nous devons agir si nous voulons gagner la justice sociale et environnementale et au-delà les autres défis. C'est d'ailleurs à cela aussi que le thème du 75e anniversaire des Nations Unies nous interpelle, à savoir l'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut, réaffirmant notre attachement collectif au multilatéralisme. Bonne célébration à toutes et à tous. Je vous remercie. Pour moi, la justice environnementale et la justice sociale, ça va ensemble, parce que je ne veux pas vivre dans un monde d'injustice, et tant qu'il y aura des problèmes environnementaux, il y aura des injustices. To me, social and environmental justice means a global balance where everyone and everything has the opportunity to thrive. It is one thing to treat all people fairly, but if their communities are significantly different, one being cleaner and healthier than the other, it defeats the purpose of equal opportunity. Para tener acceso a servicios de salud, es necesario tener acceso a servicios de agua potable. Y en zonas semiurbanas y sobrepobladas como Iztapalapa, tenemos el problema de inundaciones y temporadas de sequía que están poniendo en riesgo el acceso a los servicios de salud. Dans de nombreux pays, les personnes qui vivent dans l'extrême précarité sont aussi celles qui contribuent essentiellement à rendre nos villes plus vivables. Et pourtant, ces contributions ne sont jamais reconnues. En la forma explota la tierra nunca hubo una comunicación transparente. Y las supuestas nuevas tecnologías que llegaron a las comunidades fueron más que un engaño. Amparado en un desarrollo que no respetó el medio ambiente y esto provocó una pobreza en las poblaciones. You can't address the climate crisis if you're not adjusting systemic racism and social inequality. For me personally in my life, I think one of the ways I respect the environment is by eating less meat, reducing my dairy consumption, which are all big contributors to climate change. And then for me, that's an environmental justice issue.
Because I buy my groceries and my products instead of going to the billionaire's grocery store down the block, I go instead to our local food co-op, which is owned by the community and which works really hard with communities, underserved communities, and to work actively supporting anti-racism groups in our organization, in our communities. Je viens d'un autre pays. Ça fait 7 ans qu'on attend un logement avec ma famille. C'est pas juste. Si on continue de jeter nos déchets dans la nature ou dans les océans, il y aura des grosses conséquences pour le futur. One of the things that I try to do in my daily life to promote social justice is to continue to actively educate myself and have conversation with people who may not be aware of the issues and share actively on social media channels as well. En Amérique centrale, dans son village loin du bourg, posé sur une colline sans arbres, Diego adorait les livres qu'amenaient les animateurs. Trop loin du premier centre de santé, la maladie vient de l'emporter. Et en Europe, le bébé de Lucille a été enlevé à sa maman quelques semaines après sa naissance. Elle-même avait été placée toute son enfance en institution. Tant de familles dans le monde sont ainsi brisées, jugées incapables. En Europe encore, quand la famille de Jean et Hugo, chassée de lieu en lieu pendant des années, trouve enfin où s'installer et semble tolérée, le terrain où elle se trouve est le plus pollué de la région. Et Jean et Hugo ont aujourd'hui dans le sang un taux de plomb beaucoup trop élevé. Et d'Afrique, en pleine pandémie, Djuma nous dit du haut de ses 11 ans, « Cette période est la pire que j'ai vécue. On n'a plus rien, on a faim. » Mes parents ne peuvent pas sortir, sinon on a une amende qu'on ne pourra pas payer. Alors c'est moi qui sors pour chercher de quoi manger. Tous ces enfants privés de l'essentiel, dont les familles n'ont pas un toit décent, pas de quoi se nourrir aujourd'hui, pas d'accès à l'eau potable, pas d'accès aux soins élémentaires. Tous ces enfants que l'école a perdus. Et ceux qui se risquent à prendre la mer avec leurs parents sans être sûrs d'arriver vivants quelque part. Tous ces enfants arrachés à leur famille. Et ces enfants qui n'ont même pas le certificat de naissance qui leur ouvrirait le droit à l'existence dans le monde. Si tant d'enfants et tant de familles vivent encore ces injustices aujourd'hui, n'est-ce pas parce que nous n'avons jamais pris au sérieux la catastrophe permanente qu'est la misère? Elle tue pourtant, autant, sinon plus, que les guerres et les épidémies. Depuis toujours, chaque crise que traverse le monde pèse de façon vitale sur ceux qui n'ont rien. Chaque défi que le monde relève sans eux les pousse encore plus vers le bas. Alors qu'attendons-nous pour les rejoindre et inventer avec eux le monde de demain auquel tout le monde aspire? Ils ont l'expérience de faire face à la violence, aux inondations, aux sécheresses, aux incendies, aux sols pollués, à l'air irrespirable. Bien avant nous, ils ont trié nos déchets, parfois au risque de leur vie. Et bien avant qu'on ne parle d'une crise écologique mondiale, ils nous ont alertés déjà sur les dégâts faits à l'environnement, à la nature, eux qui vivent et meurent là où personne ne veut vivre. Eux aussi ont le sens de l'avenir. Tous leurs efforts sont tendus vers l'avenir. Et ils veulent que leurs enfants grandissent avec le sens de l'autre, de la solidarité, du bien commun. À cause de la pandémie, des centaines de millions d'enfants n'ont pas repris le chemin de l'école. Et des millions d'entre eux vont venir rejoindre ceux qui, déjà avant la crise, n'étaient pas attendus à l'école. Allons-nous accepter que le monde se prive de toutes ses intelligences, comme il s'est privé depuis toujours, jusqu'à maintenant, de l'intelligence de ceux qui résistent quotidiennement à la grande pauvreté? N'est-ce pas pourtant chez ces enfants, ces jeunes, ces adultes, qu'on oublie que se trouve une grande part de l'intelligence et du cœur nécessaires pour inventer l'avenir? Celles et ceux qui vivent le pire nous apprennent qu'on ne peut pas séparer justice sociale
et justice environnementale, car il n'y a qu'une seule justice. Une justice inspirée par les personnes et les familles qui en sont privées et qui affrontent l'impossible, jour après jour, ensemble, dans les lieux les plus difficiles et les plus dégradés de la planète. Et parce que dès aujourd'hui, nous allons nous associer avec elles partout, dans nos écoles, nos lieux de travail, nos institutions, nos quartiers, nos villages. Demain offrira à chaque être humain une terre où l'égale dignité de tous est respectée. Today, we have watched powerful videos with messages and concrete examples of solidarity. During this difficult and uncertain time, this might be the most important message we should all take from this commemoration. The COVID-19 pandemic is exacerbating poverty and increasing inequalities within and between countries. Addressing the pandemic, as well as ecological crisis, requires us to reimagine our world. These crises have reinforced our appreciation of the importance of mechanisms of solidarity and the critical role of public services to ensure the enjoyment by all of basic rights such as health, education, and social protection. The videos have also highlighted the expertise of people living in poverty. Despite the negative stereotypes and prejudices against them, we have seen that they are very resourceful. Public policies should reflect the experience of those living in poverty. To this end, the right conditions should be set up so they can express their views and meaningfully participate in decision-making that affects their lives. Equality of opportunity and access to human rights and dignity are the first steps to achieving social justice. There can be no social justice while those who are experiencing poverty do not have access to the spaces in which decisions that affect their lives are made. Those who are affected by poverty know what they need. What is needed is for those in power to really listen and act accordingly, to be aware, to use their privilege to uplift others, not shut them out. I would like to speak directly to those who face barriers to accessing their rights. Go out there and make your voice heard. Don't take no for an answer. Demand that people in power listen to your message. Let's hope that we emerge from this terrible pandemic with greater empathy and stronger bonds of solidarity. Thank you all for joining us today in this commemoration of the International Day for the Eradication of Poverty. With my own two hands, make a better place with my own.